Au moins 32 personnes ont été tuées et 66 autres blessées vendredi lors d'une collision entre deux trains dans le sud de l'Égypte. Des dizaines d'ambulances se sont précipitées dans le district de Taata de la province de Sohag, à quelques 460 km au sud de la capitale, Le Caire. Ces dernières années, l'Égypte a été le théâtre d'accidents ferroviaires meurtriers qui ont été largement attribués au mauvais entretien des infrastructures.